Frères et sœurs, pour nourrir notre méditation ce matin, je reprends deux finales de textes que nous avons eu l'occasion de méditer ces derniers dimanches, les finales de deux paraboles auxquelles je joindrai un passage de l'épître de Paul aux Romains. Tout d'abord, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, nous avions eu l'occasion de nous interroger et de nous intéresser à la question du pardon. Un homme était extrêmement endetté, plusieurs centaines de millions d'euros en quelque sorte, et en demandant un report de sa dette à son maître, celui-ci lui avait remis intégralement sa dette, l'avait pardonné, puisque le pardon a à voir avec la remise de dette. Et puis à son tour, cet homme avait quelqu'un qui lui devait une vingtaine d'euros. Et cette personne lui demande aussi une remise de dette, enfin pas une remise de dette, un report de dette. Et là, il est tout à fait impitoyable, il demande, il exige qu'il le rembourse sur le champ. Et voici comment se terminait cette parabole, c'est au chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Toujours dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, nous avions eu l'occasion de parcourir la parabole dite des talents. Un homme qui s'en va en voyage, qui confie 5, 2 et 1 talent à 3 de ses serviteurs. Les deux premiers font fructifier les talents, et le troisième, qui sait que son serviteur est redoutable, préfère cacher son talent, l'enterrer, de façon à être sûr de pouvoir lui restituer, probablement. Et donc voici ce que la parabole dit en conclusion au sujet de ce serviteur qui avait enterré son talent. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 26. Son maître lui répondit « Mauvais serviteur et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec mon intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et je vous propose donc d'entendre en écho à ces deux finales de paraboles un passage de l'épître de Paul aux Romains, c'est au chapitre 9, un chapitre dans lequel il retrace l'histoire de Dieu avec quelques personnages de l'histoire biblique du peuple d'Israël. Et au chapitre 9, je vous lis les versets 14 à 26. C'est Paul qui s'interroge de la sorte. Que dirons-nous donc ? Que Dieu est injuste ? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. » et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi,
Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire? Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, le prophète, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là, où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 399. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique qui inspire notre soif de Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pour quoi tu l'as envoyé. Nous te prions pour que ce matin,
elles viennent une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elles fassent germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elles soient semences pour notre vie et nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, la question posée par l'apôtre Paul exprime notre sentiment à peu près communément partagé à la lecture des deux finales des histoires rapportées par l'évangéliste Matthieu. Dieu ne serait-il pas injuste? Cette question n'est pas seulement celle de Paul d'ailleurs. Cette question est aussi la nôtre, bien évidemment. Cette question qui ressurgit à chaque fois qu'un drame éclate et que nous nous demandons pourquoi Dieu n'intervient pas pour l'éviter. Non pas simplement pourquoi, par une sorte de coup du sort, Cad Evans prend le maillot jaune à Andischlec la veille de l'arrivée du Tour de France, mais bien ces drames épouvantables, ceux qui frappent la Norvège ces temps-ci, mais de façon générale, tous ceux qui nous touchent, qu'ils s'inscrivent dans la grande histoire ou qu'ils prennent place dans notre histoire personnelle. Que fait Dieu? Comment peut-il laisser faire cela? C'est donc la question qui ressurgit à chaque fois que l'on est en passe de se demander pourquoi Dieu n'intervient pas pour éviter ceci ou cela. C'est aussi la question qui nous est posée par tous ceux que la religion rebute à cause du décalage qu'ils observent entre l'idéal de vie prêché par le christianisme et la réalité d'un quotidien qui est loin d'être réjouissant en tout point. Dieu est-il injuste? C'est une question qui en amène une autre. Dieu est-il tout simplement crédible? Compte tenu des sérieuses réserves sur le fait que Dieu serait amour, vu l'actualité, vu notre quotidien, eh bien, il faut honnêtement se demander si le Dieu de Jésus-Christ est tout simplement crédible, digne de foi, digne que nous fassions confiance à ce qu'il nous promet. Et de fait, la présence du mal et sa persistance, voilà le motif le plus sérieux pour intenter véritablement un procès à Dieu, pour le traîner devant le tribunal de notre conscience et pour utiliser le terme du langage technique pour développer une théodicée. La théodicée, c'est mettre Dieu en procès, Dieu en justice, lui demander des comptes en quelque sorte. Comment Dieu pourrait être encore crédible ? Lorsqu'on regarde avec un tant soit peu d'attention
l'état de notre monde. Peut-on faire autrement que de devenir comme le docteur Rieux dans La Peste de Camus, qui est athée, car il refuse d'aimer une création où les enfants souffrent, sont condamnés à mort par la maladie. Ce procès de Dieu, c'est l'acte par lequel Alfred de Vigny entend donner du sens à l'expression « jugement dernier ». Selon lui, le jugement dernier, ce sera ce jour-là que Dieu viendra se justifier devant toutes les âmes et tout ce qui est en vie. Il paraîtra et il parlera. Il dira clairement pourquoi la création et pourquoi la souffrance et la mort de l'innocent. En ce moment, continue Vigny, ce sera le genre humain ressuscité qui sera le juge, et l'Éternel, le Créateur, sera jugé par les générations rendues à la vie. Alors la première réponse chrétienne à cette injustice persistante a été de minimiser le mal. Cela revient à dire que le mal, en fait, est moins réel qu'on l'imagine, qu'il n'est pas aussi puissant qu'on le dit, qu'on se fait de fausses idées sur le mal, qu'on exagère un peu. Le mal serait en quelque sorte surévalué par notre point de vue beaucoup trop partiel, par le fait que nous n'avons qu'une connaissance imparfaite du monde tel qu'il est vraiment, que nous ne pouvons pas tenir ensemble l'alpha et l'oméga, avoir une vue intégrale de tous les tenants et de tous les aboutissants. Et c'est la raison pour laquelle quelques mathématiciens ont dit que le monde n'était pas prédictible, c'est qu'il nous manque l'état initial du monde. Il y a trop de paramètres pour qu'une personne puisse les tenir tous ensemble dans son propre esprit. Et donc, cette vue partielle nous empêche de pouvoir comprendre véritablement la justice de Dieu, ou du moins la place que Dieu occupe dans les affaires du monde. Non seulement, comme nous le lisons dans la Bible, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, non seulement elles sont largement au-dessus des nôtres, mais nous n'avons qu'un accès partiel à la réalité du monde, à la réalité de l'histoire. Et c'est en quelque sorte la conclusion à laquelle arrive Job, le personnage biblique, qui a été confronté à toutes sortes de souffrances, de malheurs, et qui mesure à quel point son savoir est limité pour pouvoir vraiment accuser Dieu de tous les maux qui le tourmentent. Dès lors, notre savoir sur le mal, l'injustice, est nécessairement partial, puisqu'il est partiel. À la limite, et c'est un peu une sorte de retour de boomerang, à la limite, donner de l'importance au mal, c'est se donner de l'importance. C'est s'enfler démesurément. Parce que déclarer que le mal auquel nous sommes confrontés est un grand problème, c'est une manière de dire que nous sommes importants, puisque le mal que nous subissons est important. Augustin, à sa manière, ira dans ce sens de la minimisation du mal, en disant que le mal n'est pas, qu'il n'est ni une substance, ni un principe éternel, ni même une créature, ce qui permet de réduire le mal à n'être qu'une absence de la perfection, une sorte de creux, une zone d'ombre. Le mal, c'est ce que voient les personnes qui sont amères. Dans une même situation, les personnes joyeuses y voient un moindre bonheur, une moindre félicité, une situation à améliorer. Bouteille à moitié vide,
bouteille à moitié pleine. Petit aparté, un conseiller presbytéral me faisait remarquer que parfois le temple est à moitié plein, parfois à moitié vide, et quelqu'un est venu ajouter en disant « Oui, en tous les cas, il y a une moitié qui sert à rien ». Ça, c'est le pragmatisme protestant. Revenons à nos histoires bibliques. Qu'en est-il de ces mauvais serviteurs qui se font punir dans les deux paraboles ? Subissent-ils une punition de la part du maître derrière lequel nous sommes enclins à discerner Dieu ? Sont-ils punis ? Châtiés ? Cela n'est pas évident, à vrai dire. Demandez à un enfant ce qu'il pense de ces histoires. Esther. Il faudra qu'on t'interroge à ce sujet. En général, les enfants répondent que tout cela est on ne peut plus normal et que la sentence est juste. Chacun de ces serviteurs qui sont voués en quelque sorte aux gémonies n'ont eu que ce qu'ils méritent, selon les enfants. Alors que nous, pour notre part, nous avons plutôt tendance à attendre autrement plus de clémence de la part de Dieu, de la pitié, de la mansuétude. Après tout, ces serviteurs qui sont sanctionnés n'avaient rien fait d'immoral, n'avaient rien fait d'illégal, et pourtant ça finit mal pour eux. Alors force est de constater que lorsque nous lisons ce genre de texte biblique, nous projetons sur le texte notre propre idée de la justice, notre propre sentiment de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Comme le souligne Paul, un peu en correspondance avec Job finalement, nous n'avons pas un point de vue suffisamment surplombant pour apprécier chaque situation, chaque événement à sa juste valeur, avec la même capacité que Dieu lui-même. Un peu de retenue, un peu d'humilité en quelque sorte. Voilà l'enseignement de cette première réponse. La limite de cette position qui consiste à minimiser le mal, qui consiste à réduire la portée et l'intensité du mal, c'est qu'elle inscrit l'attitude de Dieu dans ce trou noir qu'on appelle le mystère. Cet ustensile théologique très pratique, un peu oreiller de paresse, dans lequel on met tout ce qui nous embête. Un mystère qui rendrait vaine toute tentative de l'homme pour comprendre quoi que ce soit à la justice divine. C'est un mystère. Pour ma part, je pense que si le vase n'a peut-être pas de compte à demander à son potier, je considère qu'il n'est pas prétentieux de déclarer que nous valons un peu plus qu'un vase. Et d'ailleurs, Paul, lui-même, ne s'en tient pas à sa leçon de modestie. Il va apporter une explication au bon plaisir de Dieu. Parce que contrairement au vase, nous avons une conscience. Nous sommes doués de raison. Et les textes bibliques attestent que le travail de Dieu consiste précisément à aiguiser notre conscience, à nous rendre capables de raisonner. Aussi, mettre notre intelligence en veilleuse, la cacher au fond de cette poche mystère, eh bien, ce serait un affront à Dieu lui-même, dont Jésus-Christ a dit qu'il faut l'aimer aussi de toute notre intelligence. Dans cette perspective, les deux histoires dont nous avons extrait les finales pour mettre en évidence le caractère impitoyable de l'attitude de Dieu me semblent être destinées à forger justement notre conscience. Ces deux histoires qu'on appelle paraboles, qui ne rapportent pas des faits qui se seraient déroulés tels quels, sont des contes destinés à nous faire réfléchir, à nous mettre en situation de nous demander ce que nous aurions fait en pareil cas et à envisager une ligne de conduite pour des situations, des contextes analogues.
en caricaturant grossièrement les traits à dessin. Jésus exprime, à travers ces deux histoires, quelle est l'espérance de Dieu pour l'humanité, en indiquant les voies que Dieu privilégie et les voies qui s'avèrent être des impasses de la vie. Il agit en pédagogue pour baliser le terrain. Il utilise le mal, le malheur, la souffrance pour mettre en évidence ce qui conduit au bonheur, à l'épanouissement, sans vouloir affirmer que c'est exactement ainsi que Dieu agit. Dans ce texte, le mal a en fait une fonction esthétique pour souligner ce qui est préférable ou ce qui est juste. Pharaon, c'est un usage esthétique de Dieu pour mettre en évidence, pour le faire voir au plus grand nombre, ce qu'il souhaite, ce qu'il espère. Le projet de Dieu porté par Jésus, c'est d'essayer de repérer la source du mal dans nos attitudes, dans nos réactions, et de nous aider évidemment à évoluer pour que nous fassions preuve d'un peu plus de justice dans notre éthique. Et à ce propos, Martin Buber dirait que l'origine du mal, c'est de manquer l'occasion d'entrer en relation avec autrui. Parce que dans ce cas, le potentiel humain, notre potentiel, ce dont nous sommes capables, devient autonome, il se réduit à n'être plus alimenté que par nous, et sans lien avec autrui, il prend une mauvaise direction, puisqu'il se prive de la richesse des autres. C'est une façon de dire qu'en se privant des autres, en se privant de l'enseignement que l'on peut retirer de nos relations avec les autres, notre univers s'amoindrit et que nous ne nous réalisons pas avec la même plénitude que si nous étions en réseau, en relation les uns avec les autres. Autrement dit, ce que Jésus, pédagogue, essaie de souligner, c'est que notre avenir perd de l'ampleur, que notre présent perd de l'intensité à chaque fois que nous nous punissons nous-mêmes en nous privant de certaines potentialités qui résident chez ceux qui nous entourent. Nous nous punissons nous-mêmes. Alors, l'interaction entre Dieu, les hommes et le mal. Peut-être pouvons-nous l'exprimer bibliquement avec le thème de l'Alliance. Cet effort divin pour nouer une relation avec l'humanité, l'Alliance. Cet effort divin pour encourager l'homme à faire lui-même alliance avec les autres. L'Alliance, telle que nous la découvrons dans les textes bibliques, dans l'histoire du peuple hébreu en particulier, l'Alliance, c'est cette manière que Dieu emploie pour nous attirer vers une vie éloignée du malheur, pour nous faire sortir d'Égypte, de la maison de servitude, et nous faire entrer en terre promise, cette vie où coule le lait et le miel, deux figures opposées, d'un côté l'esclavage, de l'autre l'abondance. L'Alliance, ce sont des paroles que Dieu nous adresse, que nous appelons parfois commandements, que nous appelons parfois lois, mais qui en fait ne sont ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre, mais qui sont des promesses conjuguées au futur. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre 9 de l'Épître aux Romains, s'appuie précisément sur toutes ces alliances que Dieu a passées avec des personnes appartenant au peuple d'Israël, et qui sortent des schémas religieux classiques. Les promesses qui sont faites à ces personnes sont autant d'impulsions nouvelles qui vont leur permettre de donner à leur vie une tournure exceptionnelle,
autrement plus fameuses que s'ils s'en étaient tenus à leur propre capacité, à leur propre projet. Tous ces personnages avec lesquels Dieu fait alliance sont en général les minables de l'histoire, les moins vaillants, les moins bien nés. Et finalement, leur malheur, leur situation de départ inconfortable, le mal dont elles sont entourées au départ, justement, souligne la capacité de Dieu à pouvoir entrer en interaction avec ces situations-là. Et que Paul, l'apôtre Paul, emploie le terme « miséricorde » confirme bien que l'action de Dieu, c'est de déployer son amour, sa miséricorde, par-dessus notre justice, au-delà de ce à quoi nous nous attendons. Dans quel but ? Dans le but de réduire la distance qui nous sépare de ce que nous sommes capables d'entreprendre. Donc dans le but de réduire le mal, tel qu'en parle Augustin, réduire cette distance qu'il y a entre nous et cette vie appelée à la perfection. L'interaction entre Dieu, l'homme et le mal se joue dans cette alliance que Dieu renouvelle sans cesse et que Jésus a incarnée. Cette alliance, c'est l'art et la manière que Dieu a de faire en sorte que ces promesses qu'il nous adresse s'accomplissent, au lieu de rester lettre morte ou acte de condamnation. Et peut-être que pour bien comprendre en quoi la promesse n'est pas simplement une parole en l'air, quelque chose pour consoler ceux qui sont dans la détresse, mais un acte puissant de Dieu, peut-être pouvons-nous nous mettre à l'écoute de ce texte écrit par une éclaireuse dont le totem était Lézard et qui a écrit notamment au sujet de la promesse des éclaireurs. Et après tout, en ce centenaire de la fondation du scoutisme unioniste, la haute école de la nature peut nous être d'un grand secours. Voici ce qu'elle écrit au sujet de la promesse. Devant ce feu tranquille, viens faire ta promesse. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas audacieux, ce n'est pas présomptueux de dire qu'on veut faire tout son possible pour servir Dieu, aider son prochain, obéir à la loi. Ce n'est pas difficile parce que tu ne promets pas de ne jamais faillir. Tu ne promets pas de ne jamais désobéir, de ne jamais te tromper. Cela, tu ne le pourrais pas, car tu n'es pas une sainte, pas plus que moi, pas plus que nous. Tu promets seulement de faire tout ton possible, ce que tu peux, comme tu peux, de ton mieux. Devant ce feu tranquille, viens faire ta promesse. La promesse est une force, une direction que tu donnes à ton effort. Et l'effort te conduira d'effort en effort, à travers la vie, jusqu'au but que tu t'es proposé. La promesse est une force. Quand tu l'auras faite, tu ne seras pas meilleure, tu seras plus forte. Et s'il t'arrive un jour d'hésiter, de ne pas très bien savoir si telle chose est faisable ou si elle est de celles qui ne doivent pas se faire, tu te souviendras qu'un soir, devant un feu tranquille, à l'heure où les clartés se voilent, où les bruits s'apaisent, au milieu des camarades qui avaient le même idéal que toi, tu as promis de servir Dieu et tu n'hésiteras plus. Tu sauras si la chose est faisable ou si elle est de celles qui ne doivent pas se faire. La promesse est une force. Tu ne seras pas toujours aussi bien disposé qu'aujourd'hui. Tu n'auras pas toujours cette joie débordante ou cette calme sérénité. Parce qu'il y a des tourmentes dans la vie, de grandes lassitudes, des chagrins d'enfants et des tristesses d'adultes, de soudaines incertitudes. Alors, peut-être, par un triste matin d'une triste journée, tu te diras « à quoi bon tout cela ?»
Et puis, tu te souviendras qu'un soir, devant un feu tranquille, à l'heure où les clartés se voilent, où les bruits s'apaisent, au milieu de camarades qui avaient le même idéal que toi, tu as promis de servir Dieu. C'est la promesse. C'est la promesse qui rend Dieu crédible, car elle révèle le champ d'interaction où Dieu intervient. Et ce champ, c'est nous, les humains. Elle révèle que Dieu ne peut interagir qu'avec notre capacité de compréhension, qui stimule notre faculté d'action. C'est par la promesse que s'exprime véritablement la justice de Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose des talents qu'il nous confie, de cette force qui nous porte, à chaque fois que nous agissons selon sa dynamique d'amour, les ténèbres reculent, notre horizon s'élargit, le malheur s'amenuise, Dieu nous permet d'être un peu plus nous-mêmes, il nous rend un peu plus justes. Amen.